Comment faire une base secrète invisible sans redstone? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vois beaucoup de vidéos où les gens utilisent de la redstone pour pouvoir cacher directement, ou tu utilises un mur, tac, là tu cliques dessus, par exemple tu cliques ici et ça l'ouvre. Mais il faut de la redstone, etc. C'est pas mal de ressources, etc. Et puis c'est moche à l'intérieur. Je vais vous expliquer du coup comment faire ultra facilement sans redstone. Vraiment, c'est le plus simple à faire. Donc là par exemple, vous trouvez plus dans une montagne, etc. Là ça fait un petit peu fake parce qu'on peut voir que j'ai cassé un petit peu pour voir ça. Mais le mieux, c'est dans une montagne où il y a beaucoup de traces. Vous êtes un mur comme ça. Et puis là, du coup, vous détruisez, vous faites votre base, etc. Vous êtes là et là vous pouvez agrandir votre base à fond, etc. Faut juste que l'entrée elle soit dans de la pierre, et après quand vous avez cassé de la pierre, on peut passer en mode survie. En fait, quand vous cassez de la pierre comme ça, bah vous pouvez pas remettre cette pierre là, parce que si vous mettez cette pierre là, bah là tout le monde va vous dire mais il est débile lui, genre en fait on voit directement que c'est qu'il y a une base derrière quoi. Donc si on est comme ça, bah c'est pas très normal. Mais vous pouvez avoir de la roche. En fait, le plus simple, c'est que quand vous avez de la pierre comme ça, vous prenez la pierre ici, hop, vous la mettez dans votre fourneau et là vous créez de la roche. Et donc là, avec la roche que vous avez créée, etc., hop, vous le mettez ici. Et puis bah là, bah voilà, là c'est naturel, c'est caché, il n'y a pas besoin de redstone. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais est-ce qu'il y a besoin de la redstone là? Non, il n'y a pas besoin de redstone. Juste, faut juste avoir un four qui est tout le temps plein, vous mettez de la pierre dedans, de la charbon. En plus, ça vous donne de l'XP. Donc voilà, c'est good. Bah, on prend. Et donc voilà, et puis là, hop, tac, hop, vous rentrez dans votre base. Et quand vous êtes à l'intérieur de votre base, bah vous cachez quoi. Voilà, c'est bien. Pourquoi utiliser de la redstone? N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, enfin de liker surtout, un maximum de commentaires. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui est affichée ici. Ciao tout le monde!